tout le monde, on se retrouve dans une vidéo spéciale Stabilo. On a parlé la dernière fois, je vous avais promis de faire sur chaque produit Stabilo un petit truc. Du coup, j'ai trouvé chez Inter pour compléter ma gamme, puisque je n'avais que 3 crayons, j'ai trouvé ceux-là. Ils étaient seulement à 6,90€, donc j'en ai 12, mais dedans, comme vous pouvez le voir, il y a un doublon de noir. C'est pas grave, c'est ce qu'on utilise le plus. Donc du coup, comme j'ai un petit colo à faire pour les coloriages de couette couette, ça va être l'occasion de l'utiliser. Du coup, on va le faire dans le Babies, sur le petit personnage de Daisy. Donc on va passer plein bureau et je vous montre ça. Je dis Daisy, mais ça se trouve, elle s'appelle bien comme ça. J'avais un doute tout à l'heure. Donc, il me semble qu'elle est violette ou rose. Donc, on se retrouve avec deux violets. Donc, pareil, hein, chez Stabilo, comme vous savez, on a le Stabilo Pointe Max pour nous donner le nom, la taille de la mine. Et bien sûr, donc, pour les pointes max, on est avec le numéro 488, pour les Stabilo .88, on se retrouve avec le numéro 88, et idem pour les 68 et tout ça. Vous retrouvez le numéro à côté, toujours avec les couleurs correspondantes. Hein, si je vous sors le... si je vous sors celui-ci, donc c'est, si je ne me trompe pas, ça peut être mon noir. Bien sûr, j'ai pas pris le bon. On va sortir une autre couleur. Voilà. Si je vous sors mon point 88, comme vous pouvez le voir, c'est le numéro 55. Et pour les pointes max, on est avec le 488 et le numéro 55. Dans tous les Stabilo, vous retrouvez le même. Donc on va faire violet et rose, ça me plaît bien. On va faire un petit test. Donc sur du papier hachette. Donc attention, hein, quand vous faites des grandes surfaces comme ça, on peut facilement avoir des traces. Donc ne pas attendre, ne pas repasser plusieurs fois au même endroit. Sinon, vous pouvez être sûr que c'est la trace assurée. C'est pour ça que je colorie très peu au feutre. Je suis plus écriture avec. Ou j'aime bien surtout les aquarellés. Sur une mine assez fine pour les petits détails, ça y va nickel. Donc la couleur correspond pour moi au crayon, hein. C'est toujours bien sûr un peu plus foncé et ça s'éclaircit quand ça sèche. On va utiliser le rose pour ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes feutres, ça me fait bizarre. Voilà, ce que je redoutais, c'était les marques. Comme je vous disais, évitez de passer plusieurs fois au même endroit avec les feutres. Surtout des feutres à l'eau, ou même les feutres à alcool, hein, de toute façon, ça laisse facilement des traces.
Donc je pense que les pointes max, on peut les aquareller. Par contre, je ne sais pas si ça a été votre souci ou pas. Autant vous trouve le nuancier sans problème des stabilos pointes 68 et des pointes 88. Autant j'ai pas trouvé celui des pointes max. Ce que je peux vous dire et ce qui est sûr, j'ai eu confirmation par Stabilo sur leurs réseaux sociaux, c'est que ça contient les pointes max juste 24 couleurs. Donc là, on a eu des nouveautés dans les pointes 68 et pointes 88, mais on n'en trouve pas dans les pointes max encore. Donc je vais essayer de les contacter et obtenir exactement les numéros. Et je vous ferai un nuancier que je vous partagerai bien sûr sur le groupe. Je vais continuer le colo hors caméra et je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye.